Doté d'un centre de santé, d'un collège, d'une école primaire, le village d'Ambayaocro, faubourg dense de plus de 2000 âmes et situé à 35 km de Brebo et 30 km d'Ambayacro, NDLR, sur l'axe Boiké Kro, demeure l'une des rares localités de la Côte d'Ivoire en 2022, où les populations continuent de s'abreuver à l'eau du marigot en dépit du programme Apostrophe o pour tous lancé par le gouvernement ivoirien et de la création en 2018 d'un ministère de l'hydraulique, dont la mission spécifique est d'œuvrer à l'amélioration des conditions d'accès à l'eau potable des populations tant en milieu urbain qu'en milieu rural. Et si le ministre Laurent Cheba assure au quotidien les populations de la disponibilité de ses services à tout mettre en œuvre afin qu'aucun hameau, aucun village, aucune ville, aucune région ne soit oubliée dans le vaste programme ⁇ Eau potable pour tous ⁇ le cas d'Ambaya Okro reste interpellatif. A l'occasion de la célébration de la journée internationale de l'eau, la doyenne d'âge des femmes du dit village, Maman Yobwen Goran, en compagnie du président des jeunes, a lancé, le mercredi 23 mars 2022, via une vidéo transmise à Koasi. Un cri de détresse au président de la République Alassane Ouattara afin que l'adduction en eau potable dans le village de Ambaye-Yaokro devienne une réalité. Monsieur le Président, notre Papa Alassane Ouattara, nous vous remercions pour toutes vos actions de développement en faveur des Ivoiriens. Cependant, en pleine marche vers l'émergence, notre village, Ambaye-Yaokro, n'a toujours pas d'eau courante et nous sommes obligés de recourir à la rivière Akisibla, dont l'eau est sale et nous donne des maladies. Cliquez pour agrandir l'image le château d'eau qui a été construit depuis 2002 n'est jusqu'ici pas fonctionnel. Nous vous demandons pardon, aidez-nous afin qu'on ait de l'eau à boire, à lancer à l'endroit du chef de l'État, Yobuen Goran, doyenne des femmes d'Embaïayaokro. La situation que connaît notre village, en Yaokro est déplorable. Depuis 2002 qu'a été construit le château d'eau, le village n'est toujours pas connecté au réseau hydraulique. Nous fils et cadres du village avons entrepris plusieurs démarches d'année en année sans suite. La dernière en date, remonte au lundi 21 mars 2022 où nous avons essayé de rencontrer en vain les services du ministère de l'hydraulique pour leur exposer la situation de précarité dans laquelle vivent nos parents. Aussi, lançons-nous un appel au ministre Laurent Chaba, dont nous sommes assurés, n'est sans doute pas au parfum du dossier ainsi qu'au président de la République, Alassane Ouattara. Afin de nous aider à régler cette situation, nous a confié M. Kwaku, cadre du dit village. À ce jour, comme rapporté à Kohasi par des techniciens en hydraulique originaires de ce village, tout ce qui reste à faire, c'est la construction d'un forage.